officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. C'est tout un mariage, Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? On n'est pas payé de loyer, mais on veut toucher les APL. On ne veut pas payer de loyer, mais on veut toucher les APL. Christian Bassoul. Alors, ça se passe en Italie. Et en Italie, de temps en temps, il faut renouveler le permis de conduire. Ouais. Et c'est un monsieur qui a 90 ans qui veut renouveler son permis de conduire. Et la famille a très peur parce qu'il est un peu sourd, il voit pas très bien, tout ça. Alors, il prépare une enveloppe, et ils vont voir l'inspecteur, et ils donnent une enveloppe pour qu'il ne réussisse pas à son permis. Alors l'inspecteur, il est un peu étonné parce qu'il dit, en général, on me donne des enveloppes pour faire réussir, pas pour rater. Enfin, il accepte l'enveloppe, et puis il va essayer de faire rater le permis au monsieur de 90 ans. Alors il pose une première question, il dit, voilà, il y a un... Il y a deux lumières dans la nuit, qu'est-ce que c'est? Alors il dit, c'est pas une voiture. Mais non, il dit, c'est pas une voiture. Vous auriez dû dire, c'est une Renault, c'est une Peugeot, c'est une Skoda. Alors, deuxième question. Il dit, mais c'est mal parti, je vous le dis tout de suite. Il dit, vous voyez une lumière dans la nuit, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, une moto. Mais non, vous auriez dû dire une Kawasaki, une Lambretta. Vous êtes mal parti, alors vraiment, je pense pas que vous allez avoir le permis de conduire. Et dernière question, il y a deux lumières dans la nuit et des petites lumières sur le côté, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, un camion? Et non, vous avez dû dire un Berlier, un Savième, un Fiat, tout ça. Ah non, vous n'avez pas le permis, désolé, je ne peux pas vous le donner. Ah, il est un peu déçu le papy, et puis il se prépare à partir, et puis il dit à l'inspecteur, je peux vous poser une question? Alors il dit, oui. Si vous voyez une dame près du bois de Boulogne, un peu dévêtue, qui promène son sac comme ça, qu'est-ce que c'est d'après vous? Je sais pas, une prostituée. Ah non, vous auriez dû dire, c'est ma mère, ou c'est ma soeur, ou c'est ma femme. Pas d'histoire. Et voici nos perles de la rue. Alors, comment on l'appelle? Taïmé Kelu. Taïmé Kelu. Enchanté. Enchanté, Taïmé Kelu. Taïmé Kelu, comme sur CD. On se retrouve. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Ok. Merci. D'accord. On peut vous mettre en ligne sans problème. Si tu veux, mais prends notre email pour nous envoyer le lien. Ah oui, obligé. Ça c'est. Et il est dessus. Voilà, regarde derrière. D'accord. Attends. Ok. Live.com. Ça c'est sûr parce que moi j'ai fait le tour, j'ai jamais rencontré en fait. Tout ce que je vois c'est les plus longs là. Ouais, mais après ça c'est à l'achat, c'est un peu excessif. C'est un peu cher pour moi, je pense que c'est la route qui a payé. Bah, ouais. Mais c'est pas donné. Oh ben, pour ce que ça donne, c'est bien. En fait, c'est génial. Peut-être que je peux jouer debout. Ouais. Moi, je peux jouer avec un... C'est un saxophone, quoi. Ouais. Ben ouais, bah... Je peux jouer debout. Ouais, c'est normalement, j'ai un harnais. Bah, après, à peu près, je peux jouer. En fait, c'est là la grande différence. C'est que ça, tu peux jouer debout, les autres, tu peux pas, en fait. Ils sont obligés de s'asseoir. Si, non, tu peux jouer debout, mais sauf que... L'avantage de celui-là, c'est que tu peux, sur scène, tu peux te déplacer. Ah ouais, ah ouais. Tu viens d'où tu peux pas. Ah ouais, c'est ça. Il faut avoir des comptes. Non, il est juste abordable sur le micro. En gros, non, là, il y a le gars où ça peut être. Le mec, il a créé, là, il a tout fait ça. Il ne faut pas prendre la part. C'est un DJ. Il faut le compter avec lui. C'est vraiment sur un micro. C'est très léger.
Enquête parallèle. Aujourd'hui, je suis avec Madame Laurence Fetti. Elle est professeure des écoles, mais à ses heures perdues, elle fait du pain maison. On découvre. Donc je suis Laurence, voilà. À mes heures perdues, j'adore faire du pain et surtout du pain à la maison. Donc voilà, ben je vais vous faire profiter de cette occasion pour en faire vous-même. Alors, je vais vous présenter le pain maison que je fais régulièrement à la maison, comme son nom l'indique. Donc voilà, j'ai la recette dans ma tête et je vais vous donner les ingrédients, les astuces pour réussir ce bon pain. Alors tout d'abord, vous mettez 500 g de farine. Alors, évitez la farine blanche, plutôt la farine type 70. Voilà, on peut mettre de la farine d'épeautre, la farine toute céréale, comme on veut, que l'on verse dans un robot, alors celui-ci ou un autre, qui pétrit par contre, hein, c'est important. Ensuite, vous ajoutez du levain, 4 cuillères à café, voilà. Alors, celui-ci, c'est du levain de seigle. On ajoute ensuite une cuillère à café de sel, pas trop de sel, c'est bon pour la santé. Et puis, on ajoute 300 ml d'eau. Okay. Et pour rendre le pain un peu plus onctueux, un peu plus souple, on peut aussi ajouter 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça, c'est l'astuce. Alors ensuite, on peut agrémenter le pain de graines, de courge, de sésame, d'autres graines, comme vous voulez. Donc, vous versez tout dans le pétrin qui, avec un bras, va pétrir pendant au moins 10 minutes. À l'issue de cela, vous sortez le pain, le pâton, que vous disposez sur une plaque de four. Avant, vous mettez une plaque de papier cuisson et vous laissez lever le pain pendant au moins 3 heures, couvert d'un torchon propre, de préférence. Et vous l'enfournez dans un four préalablement chauffé à 200 degrés et vous le faites cuire pendant 1 heure. À l'issue de ça, vous sortez du four et vous sentez la bonne odeur de pain bien cuit. Voilà, alors là on a déjà bien commencé à l'entamer, donc il y a des petites graines à l'intérieur. Okay. C'est très très bon. Merci. La faille. Je crois que j'ai trouvé la faille. Je sais que j'ai trouvé la faille. Bienvenue à la transmission, le journal officiel de 3W.web. La cour. Croire. Croire se situe entre le doute et la certitude. On reconnaît comme vrai quelque chose qui n'est que probable. Ils mangeront à midi. C'est là le résultat d'une habitude. D'un autre côté, savoir. Savoir est une certitude. C'est reconnaître comme vrai. Ils ont mangé à midi. C'est certain. On le sait. Ah oui, je croyais. Mais maintenant, je sais. À bientôt. Et maintenant, derrière cette porte, la majorité invisible. Bonjour, c'est Loana pour notre mini festival reggae. Yes,
I would pray, say I see eye the first. I will never give up. Yeah, man. Bonjour, vous êtes bien sur Gojo TV, c'est le I Love Show, portrait d'artiste. Bon, je te dis bonjour, est-ce que tu peux me présenter un peu ton groupe? Yes, ben moi c'est Eden Fight, yeah. Et le band avec qui j'ai évolué, c'est un backing band qui s'appelle Positive Eye Band, yeah. Et donc en fait c'est un band avec qui en fait on fait pas mal de taf, yeah. Et c'est un band aussi qui joue derrière pas mal d'autres artistes, yeah. Comme Afrokan, Asaliagan, yeah. Donc voilà en fait. Et ça fait un moment que vous tournez ensemble? Bah on a déjà fait 3-4 dates ensemble. Ouais. Et puis bah du coup on continue quoi, quand l'affaire comme on tourne bien, on lâche pas l'affaire, tu vois. Parce que là le groupe il est au point là, il est au point. Ouais. Oui bah du coup ouais, c'est beaucoup, comme je disais, sur la scène, c'est aussi du travail, tu vois, c'est voilà. Ah ouais. Ouais, en tout cas j'ai bien aimé, hein. Super, bah, merci. C'était agréablement surpris, c'est la première fois que je voyais le groupe évoluer. En tout cas c'était très 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 bien. Super, et super, merci. En tout cas merci beaucoup, hein, merci à toi, vibes, hein. Merci d'être venu aussi, okay. Merci pour la vibe aussi, hein. Ok, merci. Thanks. Beaucoup. C'est ça. Maintenant on peut dire que tu as repris les planchers. Est-ce que maintenant tu es revenu sur les planchers? Non, c'est que les gars ils m'ont attiré à Paris, mais c'est un piège Paris, c'est fatigant. Comment c'est un piège? Tout le monde a envie de te voir. Non mais ça fait plaisir, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'étais pas venu là. Ouais. En tout cas, t'as mis le feu comme d'habitude. Ouais mais on m'invite pas. Mais je vais éviter en ce moment. Bon écoute. Mais bon, on a eu une belle ambiance, je suis content de ma petite soirée. Ouais. Je remercie Eden Fight, yes. Toute son équipe, sa femme et tout. Ok. Allez, en tout cas. En tout cas, merci pour le show. Je suis arrivé, j'avais 49 ans, là j'ai l'impression que j'ai 32 ans. J'ai oublié mes 4 enfants, j'ai oublié ma femme, j'ai oublié tout le monde. Yes. Salut. Yeah.
avant. Vous êtes du tout avec la vie comme avant. Arrête de me faire parler d'argent. Même rythme. À bientôt sur GoJo TV.